Bon, je voulais déclarer, je suis le fils caché de Fidel Castro. Donc, papa, Paz. Paz, c'est mon nom. Et Paz, ça veut dire la paix en français, quelque chose que je revendique énormément et quelque chose qu'on a besoin en ce moment. Me llamo Paz. ¿Quién dijo que ustedes no bailaban? A ver, ¡pale! Yo creo que la gente aquí sí sabe bailar. Así que, ¡vamos allá! Dijo Panchito, muchachito bien bonito con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapato bien lustrado, que quería mucha novia como su papá. Juanita la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, y una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre nervioso buscó a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Panchito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Vamos, 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 vamos a Cristina. Vamos, 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 vamos a Teresa. Vamos, 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 vamos a la rubia hoy. Vamos, 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 vamos a la prieta. Vamos, vamos, vamos. Je pense que j'ai eu la chance d'habiter à Cuba au bon moment. Moi, j'ai profité de tout un système établi où l'éducation, c'était une priorité. Donc, j'ai eu accès à des superbes écoles, j'ai eu accès à des super profs. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que su hija ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces rieron su amigo bueno, diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Vamos, 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 vamos a Cristina. Vete, mamá, Teresa, chapale, mamá. La rubia, bebé, bebé. La prieta, mamá, 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 Cristina. On a fait l'enregistrement à Cuba de mon album Mulata, qui ça veut dire métis. Et après, on est revenu en Europe parce que je voulais qu'il soit mixé en Europe avec un autre son, avec des excellents producteurs de musique électronique. Et tout ce métissage a donné une couleur que j'aime beaucoup dans cet album, et c'est la vraie couleur de Raoul Paz. Moi, j'appartiens à une nouvelle génération où, évidemment, on a beaucoup de choses de Social Club, on a beaucoup de choses de Bamban, mais on a beaucoup de choses à dire aussi, un peu différentes. Tus manos que sienten el gesto que flota, tu risa loca que enciende mi ropa. Yo vi dulce sueño de un bohemio. Se agota sin remedio. Ay, cuando llegaré, cuando llegaré a tener, cuando llegaré. J'ai une relation avec le public très particulière. Ça me permet de communiquer, de transmettre, mais surtout aussi d'apprendre des choses. Et ces contacts particuliers qui s'est fait pendant 2 heures entre toi et le public, et après c'est fini. L'inspiration de mes chansons, il faut que ce soit tard la nuit, il faut avoir du rhum. Non, je parle de moi ou des autres, mais des petits moments de la vie de tout le monde. Película, c'est une expression très, très cubaine en tout cas. Ça veut dire quelque chose qui est exagéré d'une certaine façon.
Donc ça parle un peu de gens un peu vaniteux qui parlent un peu trop et qui font pas grand chose. Walk the walk. Bien seguro en su mundo te viene a contar con aire profundo y con su bla bla bla. Chaque chanson raconte une petite histoire, soit de politique, d'amour, de désamour. Et ça, j'y tiens bien à cœur. En plus, c'est très bien sur scène parce qu'on a l'air de raconter, de faire un conte en musique. Yo solo un pedazo de sueño me ha regalado temblores de adentro. Por el camino canto un bolero y el que pensaba cantarle primero. Y entre paredes de un cuarto viejo perdidos por allá por el centro, mordió su corazón y le dijo: la vida es un sueño, es un sueño. La oveja mala, hey, tremendo lío para que mira. Si la deja mala, tremendo lío para que mira. Lata, lata, mulata, lata, 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 un poco, lata, 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 de musique électronique, de musique pop et de musique cubaine. Et donc il y a les trois éléments représentés sur scène. Je trouve que c'est important. Et pour l'instant, on réussit pas mal ces mélanges.